D'un revers de la main, Madi m'a reçu le sang, mon pied. Hey, je suis désolé, je présente mes excuses à Madi. Madi, sa maman, l'Algérienne DZ Power, on est en bleu sang. Hey, je m'excuse, je vais te livrer un petit déj avec la Française Dubaï dans pas longtemps. Je vais te livrer un petit déj chez toi pour m'excuser, etc. T'es la bienvenue à la maison pour le tour de l'année prochaine. Mais vu que t'es algérienne, etc., ça veut dire que ben, maintenant, tu vas plus travailler avec des gens qui veulent tuer des Palestiniens, etc. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je le. Vu que t'es une maman algérienne, t'as une maman algérienne, moi je savais pas. Donc t'as vu, moi je m'excuse. Mais ça veut dire que tu peux pas rester à travailler avec des gens qui sont islamophobes. C'est ça que ça veut dire, Maros. T'as capté ou pas? Donc on est en bleu sang, mais est-ce que tu vas rester avec lui? T'as capté? Est-ce que tu vas rester avec lui? Parce que nous on t'aime tous, tout le monde t'aime bien. Même Dylan, il a dit, ah c'est Maros, c'est bon, je savais pas que sa mère était algérienne. C'est bon, tout le monde t'a validé. Mais là, en tant que fille de maman algérienne, est-ce que tu vas rester avec des gens islamophobes? Oui ou non? Tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, on vient de rentrer de la plage. Je voulais juste revenir sur une chose. Je vois que sur les réseaux, il y en a pas mal qui s'emportent par rapport à des propos que j'ai eus hier et qui considèrent ça comme du racisme. Alors, pas du tout. Je sais pas si vous êtes un minimum conscient des choses. Vous voyez bien que la plupart de mes amis sont des Arabes, justement. Que moi-même, ma mère est d'Algérie, en fait. Donc, à un moment donné, le racisme, faut peut-être pas pousser les choses. S'il y en a qui ont mal interprété, je m'en excuse, mais vous voyez bien que j'étais en train de rigoler avec mon ami, justement, Bilal, qui me chamaillait, justement, qui me taquinait. Et du coup, moi, je lui ai dit ça sur le ton de l'humour. Mon buffet, il était halal, c'est pas pour rien, c'est parce que mes amis sont musulmans. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses à plat, éviter que ça parte dans des polémiques inutiles, parce que bon, je sais qu'il y en a qui adorent surfer là-dessus, mais là, pour le coup, c'est vraiment ridicule, étant donné que la moitié de mes amis est rebeu, que ma mère est d'Algérie. Donc à un moment donné, voilà, c'était juste pour remettre les choses au clair. S'il y en a qui l'ont mal pris, je m'en excuse, mais en soi, c'était pas du tout une attaque, c'était pas du tout un truc, c'était pour rigoler, comme tout le monde va taquiner ses potes. Que ce soit rebeu, renois, français, peu importe, je veux dire, entre potes, on se charrie. Et en plus de ça, moi, on me charrie souvent parce que justement, ma mère est d'Algérie. Et c'est pour autant que mes potes, justement, ils en rigolent. Enfin, je veux dire, là, ça a été sorti de son contexte. Et franchement, il y a des gens qui sont vraiment méchants par rapport à ça. Je pense que si vous n'êtes pas bête, vous voyez très bien que je suis loin d'être raciste. Je traîne avec tout le monde. Moi, je ne suis pas tout dans les trucs de ni. Voilà, moi, j'aime les personnes pour ce qu'elles sont et pas pour leurs.